Bonsoir à tout le monde et bienvenue sur ma page. L'actualité oblige. Je vais faire cette petite vidéo pour parler sur ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, qui est le cas du grand fétisseur Mofasouri Douno, qui fait l'actualité. Mofasouri Douno, c'est un fétisseur qui est connu dans ce pays. Mofasouri Douno, ce n'est pas sa première fois de venir sur les réseaux sociaux et dire ce qu'il pense ou ce qu'il a vu à travers ses fétiches, puisque tout le monde sait que c'est un grand fétisseur. Il a les moments où il joue avec ses fétiches pour pouvoir prévenir dans l'avenir. Donc, Souri Douno ou Mofasouri, ce n'est pas sa première fois de dire ce que les génies ou ses fétiches lui ont montré. Depuis le temps du professeur Alpha Condé, Mofasouri est venu sur les réseaux sociaux. Il est venu déclarer la suite du pouvoir du professeur Alpha Condé. Mais personne n'a pris en compte et il n'a pas été recherché ni arrêté. Aucun membre de sa famille n'a été touché. Personne ne l'a poursuivi. Personne n'a dit même un mot en sa rencontre. Personne ne l'a touché. Et c'est nous étions dans la démocratie totale où tout le monde avait le pouvoir de parler. Puis c'est dans la démocratie, si la liberté d'expression n'est pas respectée, ce n'est pas une démocratie. La démocratie doit respecter le pouvoir d'expression et le pouvoir de manifester. Si on n'a pas ces deux pouvoirs, ce n'est pas la démocratie, c'est la dictature. Donc au temps du professeur Alpha Condé, il est venu faire ses déclarations, personne ne l'a écouté, personne ne l'a suivi. Personne ne lui a dit un mot même. Donc, sa déclaration aussi a été négligée. Ça n'a pas été pris en compte aussi, jusqu'à ce que le coup d'État est venu. Ok, avant le coup d'État, Mma Touré, notre influenceuse qui est basée aussi en France, qui est installée en France, celle-là aussi avait prédit l'avenir de Mamadi Doumbouya. Elle avait fait tous les dessins. Elle avait décrit tout. Malgré qu'elle n'a pas dit le nom de la personne qui doit venir, mais la manière dont la personne doit venir au pouvoir, la taille de la personne, elle avait tout décrit. Personne n'a dit un mot. Tout le monde l'a suivi. Les gens ont dit qu'elle est dans sa folie. Mais ce n'est pas rentré dans 3 mois. Le coup d'État est arrivé. Le coup d'État est tombé. Personne n'a dit un mot, puisque nous étions dans la démocratie. La liberté d'expression est pour tout le monde. La liberté d'expression, c'est un autre pouvoir. Ok. Maintenant, aujourd'hui, c'est Mamadi Doumbouya qui est au pouvoir. Depuis qu'il a fait le coup d'État le 5 septembre 2021, jusqu'à nos jours, c'est lui qui est en train de traîner au pouvoir là-bas. Mais il est là. Il a interdit les manifestations. Aujourd'hui, c'est la liberté d'expression aussi qui est menacée. Les gens n'osent même pas parler comme ils le veulent. Les gens n'osent même pas parler comme ils le veulent. Sinon, aujourd'hui, c'est Mofasouri qui est menacé par eux. Mofasouri, c'est un fétisseur. Ces fétiches lui ont dit la suite du pouvoir de Mamadi Doumbouya. Et lui aussi, comme c'est son habitude, il est sorti sur les réseaux sociaux, il a dénoncé. Maintenant, quand il a dénoncé, ça n'est pas rentré dans 2 jours. Ils ont débarqué, c'est lui. L'armée a débarqué, c'est lui. Comme il n'était pas là, c'est sa famille qui était là. Sa famille a été saccagée. Ses deux femmes ont été arrêtées. Ses enfants arrêtés, ses unités arrêtées.
Il dit que la clé de sa voiture emportée, 6 chambres de sa maison ont été vandalisées par les militaires. Donc, cela veut dire que nous ne sommes pas en démocratie et nous ne sommes pas en sécurité. Puisque la démocratie vient avec la sécurité. Cela veut dire qu'on n'est pas, on n'est pas en démocratie et on n'est pas dans la sécurité. Alors, aujourd'hui, c'est la liberté d'expression qui est menacée. Quiconque parle aujourd'hui, qui parle pas, qui ne parle pas au nom, qui ne parle pas en faveur du CNRD, cela veut dire que l'intéressé là doit être arrêté. Aujourd'hui, quiconque veut parler dans ce pays-là, il faut qu'il parle au nom du CNRD. C'est très dommage. C'est très, très dommage. Ça veut dire qu'on n'est plus en sécurité. Cela veut dire qu'on n'est plus en démocratie. Mais on est dans la dictature totale. Sinon, Mofassori n'a pas dit que c'est lui qui va s'attaquer à Mamadou Doumbouya pour renverser son pouvoir. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Il dit seulement que le pouvoir sera renversé dans 28 jours. Mais où se trouve son problème maintenant? Ou bien il ne doit pas dire ce qu'il pense ou bien ce qu'il a dit. Il n'a pas droit de dire. L'armée guinéenne, moi je vous aime. J'aime l'armée guinéenne. Je vous respecte. J'ai un grand respect. J'ai le respect absolu pour vous. Mais le pays est pris en otage par Mamadi Doumbouya, le légionnaire français. Le pays est pris en otage. Quiconque ne le dit pas, il n'a pas dénoncé seulement. Puisque tout le monde le connaît. Ce n'est pas quelque chose aussi qui est cassé. Seulement le Guinéen oublie vite. Le Guinéen aime aussi couvrir quelque chose qui l'arrange. Même si ça n'avance pas son procès ou bien le pays, mais il aime couvrir. Donc aujourd'hui, je vois beaucoup de Guinéens naïfs qui sont sur les réseaux sociaux qui disent que Mamadou Doumbouya est là, il est en train de travailler pour le peuple, il est en train de travailler pour la jeunesse, que c'est l'espoir de la jeunesse. Mais comme certains sont aveugles, ils ont les yeux pour ne rien voir, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ça, c'est que Mamadou Doumbouya, c'est un simple légionnaire. Mamadou Doumbouya n'est pas un militaire guinéen. Mamadou Doumbouya, c'est un simple légionnaire. Nous avons des militaires patriotes, nous avons des militaires républicains. Mais Mamadou Doumbouya, c'est un simple légionnaire. Il est légionnaire français. Quoi que nous fassions, quoi que vous fassiez, Mamadou Doumbouya, c'est un légionnaire français. Cela est dans sa tête. Ça ne va pas quitter. Quoi que vous fassiez, il va travailler pour la France. Et c'est ce que nous sommes en train de lutter. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui sont en train de lutter à ce que la France quitte sur leur territoire. Mais lui, étant un mercenaire français, il est à la tête de la Guinée. Mais dire que les Français ne vont pas venir faire ce qu'ils veulent, c'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est du pur mensonge. Alors, vous qui soutenez Mamadou Doumbouya aujourd'hui, vous dites qu'il est en train de travailler. Quel est le travail que Mamadou Doumbouya a fait depuis qu'il est venu? Il a fait quoi? Tous les projets, toutes les infrastructures routières qui sont en cours d'exécution aujourd'hui ont été financées, bouclées par le professeur Alpha Condé et son gouvernement. Tout a été financé, bouclé. Tout. Donc, tous ceux qui le supportent aujourd'hui, vous vous trompez. Mais je sais que tous ceux qui le supportent même, la majeure partie, sont de l'opposition. Tu sais, ils ne voudraient pas voir le professeur Alpha Condé au pouvoir. C'est la raison pour laquelle beaucoup supportent aujourd'hui Mamadou Doumbouya. Tu sais, c'est pas l'armée qui a fait le coup d'État. Ce n'est pas l'armée guinéenne, c'est Mamadou Doumbouya qui a fait le coup d'État. Et c'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut dire. C'est ça qui est la vérité. Donc, aujourd'hui, les gens sont en train de le supporter. Les gens sont en train de dire qu'il est en train de travailler pour la jeunesse et l'espoir de la jeunesse. Vous allez voir. Vous savez que le Guinéen oublie vite. Le Guinéen oublie vite. Voilà. Le Guinéen oublie vite. Aujourd'hui, vous le supportez dans le mensonge. Depuis que Mamadou Doumbouya est venu,
Il dit gabegie financière, tant, 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 petit, patata. Depuis qu'il est venu, qu'est-ce qu'il a mis en place? Qu'est-ce qu'il a mis en place? Si ce n'est pas, pour, si c'est pas pour, pour prendre l'argent seulement. C'est seulement prendre l'argent. Mais le Guinéen, je ne sais pas, nous avons quel problème dans notre pays là. Je ne sais même pas, nous avons quel problème dans notre pays. Là, je ne sais pas. Quand les autres veulent bien faire, les autres sont là en train de détruire. Quand les autres veulent bien faire, les autres là sont là en train de détruire. C'est ce qu'il y a en Guinée. Mais, si vous supportez Mamadou Doumbouya, et si Mamadou Doumbouya n'a pas l'intention de quitter le pouvoir, il veut s'éterniser au pouvoir. Raison pour laquelle, quand les États-Unis ont parlé tout récemment, soi-disant que le compte à rebours a commencé, il n'y a pas ce que son gouvernement n'a pas dit. Puis aujourd'hui, ils sont en train de manger comme ils veulent. Ils ne pensent plus au pays, ils ne pensent plus à la population pauvre. Ils sont là aujourd'hui en train de remplir leur poste. Donc, ils sont en train de supporter Mamadi, ils sont en train de le conduire dans l'erreur. Ils sont en train de le conduire dans l'oreille. Ils veulent que Mamadou soit maintenu là-bas pour qu'eux, ils puissent faire ce qu'ils veulent. Mais la population guinéenne, elle est vigilante. Nous avons des patriotes qui sont très, très vigilants. Aujourd'hui, c'est le tour de Bonfa Soré. Sa liberté d'expression est menacée aujourd'hui. Puis c'est actuellement, il est en cassette. On ne sait même pas là où il se trouve. Il a fait vidéo dire qu'il n'est pas dans la main de l'autorité. Mais on ne sait pas où il se trouve. Il est dans le pays ou il est hors du pays. Personne ne le sait. Puis il n'a pas dit là où il se trouve. Aujourd'hui, c'est son tour. Demain, c'est le tour de tous les Guinéens. Personne ne va parler dans ce pays. Personne. Personne ne va manifester dans ce pays. Et si on ne manifeste pas dans un pays, comment on peut réclamer nos droits? Si on ne parle pas, on dénonce dans le pays, comment on peut se développer? Puis il faut dénoncer certaines choses, des mauvaises choses, pour que celui qui fait ces mauvaises trucs, il se débarrasse. Mais s'il n'y a pas de dénonciation au niveau du gouvernement, il n'y a pas de manifestation, comment le pays peut se développer? Donc maintenant, on est sous la dictature. Tout ce qu'il fait, c'est bien. Tout ce qu'il fait, c'est bien. Même si ce n'est pas bon, mais on dit que c'est bien. Puis personne n'ose parler. C'est ça, non? C'est ce que vous voulez, les Guinéens? C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez? Je vais vous dire une chose. Mamadi n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Quiconque dit qu'il a l'intention de quitter le pouvoir, il se trompe lui-même. Il n'a pas du tout l'intention de quitter le pouvoir. Ni aujourd'hui, ni demain. Il ne veut pas organiser les élections équitées. Il veut se maintenir au pouvoir. La seule chose qu'il est en train de faire aujourd'hui, les projets que le professeur Alpha Condé et son gouvernement ont mis sur table, financés, bouclés, c'est ces projets-là qu'il est en train de faire bouger. Les projets-là sont en cours d'exécution. C'est la seule chose qu'il est en train de faire aujourd'hui pour tromper l'opinion du peuple. C'est sa stratégie. C'est ce qu'il est en train de faire. Sinon, il n'a rien fait. Depuis qu'il est venu, il a fait quoi de potable? Quoi qu'il a mis en place? Il a mis quoi en place? Il a mis quoi en place? Si c'est pas la galère. Les gens sont en train de galérer. On dirait que c'était l'Éthiopie d'avant. Les gens galèrent partout. Partout ça plaire. Mais comme le Guinéen, c'est à certains Guinéens qui sont hypocrites, raison pour laquelle beaucoup ne parlent même pas. Ils ne parlent même pas, ils se tuent comme ça là. Et c'est très dommage. Très, très dommage. Donc, le Guinéen, réveillez-vous. Réveillez-vous. Arrêtez de supporter le mensonge. Arrêtez de supporter le mensonge.
Mamadou Doumbouya, c'est un simple légionnaire et il sera légionnaire et il restera légionnaire jusqu'à sa mort. C'est un légionnaire. Il ne va jamais changer. Il va faire le semblant aujourd'hui, faire des trucs comme si. Non, mais c'est un légionnaire. Le légionnaire reste toujours légionnaire. Voilà. Donc, cette vidéo, je ne vais pas aller tellement loin, puisque c'est le cas de Mofassori. Mofassori ne devrait pas être, en tout cas, persécuté jusqu'à ce qu'il aille dans sa famille, déranger sa famille. Il est guinéen comme tous les autres Guinéens. Il n'a ni tillé, ni brigandé quelqu'un, ni volé, hein, ni insulté même, il n'a pas fait. Insulté, il n'a pas fait. Simple déclaration de ce qu'il a vu. Et puis, il n'a pas dit encore que c'est lui qui va faire le coup d'État. Il a simplement déclaré ce que les ennemis l'ont dit. Mais c'est ce qui a été son crime aujourd'hui. C'est ce qui a été son crime aujourd'hui. Alors, sur ce, je me limite là et je vous dis merci et à plus.